cooking, kissing, man. I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss him. If you want some, never mind, just let me know. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est mercredi, il est 11h20, on s'est levé assez tôt ce matin, on a déjeuné, on a déjà fait une petite activité avec Nolan, donc voilà, j'ai pas mal avancé dans ma journée quand même. J'ai fait ma petite vaisselle d'hier soir que j'avais laissée dans l'évier, enfin je l'ai même, j'avais préparé le terrain parce que Chouchou s'est couché très tôt, il avait très très mal à la tête. Donc comme il s'est couché tôt, j'ai évité de faire du bruit, donc j'ai tout laissé comme c'était. Et du coup j'ai tout fait ce matin, j'ai lancé mes machines ce matin de très bonne heure, je les avais programmées hier aussi. Donc comme ça j'étais tranquille, il me reste juste à ranger voilà, ce linge ici dans les armoires de la famille. Et il me reste encore du coup une machine à mettre à sécher et l'autre à plier, c'est que des serviettes donc ça va aller vite. Et voilà, aujourd'hui j'ai une petite mission, c'est d'appeler les assurances pour l'habitation parce que on doit changer d'assurance habitation et il faut, enfin bref, il faut que je m'en occupe. Et après il va falloir qu'on aille jeter la poubelle. Je veux aussi vous montrer que j'ai reçu le petit, la petite boîte, le petit Marseillais. Alors j'ai juste enlevé le carton hier soir mais j'ai pas ouvert, Bon après je sais plus ou moins ce qu'il y a dedans puisque c'est moi qui ai fait la demande pour tester ces produits. Même si je les ai plus ou moins testés, je les ai jamais testés en étant très assidue. Donc là je vais vraiment le faire de A à Z, donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Déjà dans un premier temps je vais ranger mon linge, faire les appels de l'assurance, enfin appeler l'assurance peut-être d'abord comme ça. S'il y a des temps d'attente, on ne me dira pas, il est midi, il faut rappeler tout à l'heure. Et voilà, tout simplement, ma journée va se passer comme ça. Je pense qu'on va rester à la maison, on risque de se promener un petit peu au parc, mais sans plus. Et ouais, aujourd'hui, pas de promenade, pas dans les magasins, etc. Parce que ça fait au moins 3 mercredis qu'on est... 3 ? Ouais, presque tous les mercredis qu'on est... non, c'est pas vrai. 2 mercredis au moins qu'on est dans les boutiques. Moi, j'en peux plus de faire les boutiques, c'est pas une habitude que j'ai en règle générale. C'est très très rare quand je fais les boutiques. Et les deux autres mercredis, mais il faisait pas beau, donc on venait rester réellement à la maison. Mais voilà, là c'est vraiment un mercredi où je suis motivée et où je suis levée tôt surtout pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire. Donc je vais m'y mettre, on va commencer par appeler l'assurance et après je vais ranger mon linge juste derrière. Et ranger aussi le paquet de gâteaux qui est là. Et que voilà, c'était notre petit déjeuner quoi. Allez-vous, au boulot. Ma foi, j'ai bien fait de m'y prendre à l'avance parce qu'il est quasiment... Ben, il est midi. C'est simple, il est midi. J'ai passé quasiment une heure au téléphone avec le monsieur des assurances. Du coup, il m'a fait changer mon assurance voiture puisque ben, je payais beaucoup plus cher là où je suis que là où je vais être. Donc voilà, on a fait une pierre de coups et en plus de ça, il m'a fait des cadeaux puisqu'il m'a offert de l'argent. Enfin, de l'argent. En gros, il m'a remboursé mon assurance habitation pour les 3 premiers mois. Donc c'est assez cool. Donc voilà, ça c'est fait, je suis tranquille, je vais pouvoir envoyer l'attestation d'habitation dans les organismes qui me l'a demandé. C'est fait, on est bon, j'ai fait mes résiliations comme il fallait, tout est bon, opérationnellement je suis prête. Je sais pas si ça se dit tout ça. J'ai plus qu'à ranger mon linge, mais comme il est midi, je vais faire ça très très rapidement et après on va manger. Ça y est, linge fini, du coup on mange, c'est donc poulet au curry avec un peu de riz et voilà, Nolan était en train de faire son boudin parce que je lui ai crié dessus. Donc voilà, vous avez la tête de Nolan boudeur pour la peine. Je sais qu'il boude pas très très longtemps, c'est pour ça que j'insiste sur la vidéo. Bref, allez, bon appétit mon petit chaton d'amour que j'aime à la folie pour toute la vie. Oh mon petit chaton d'amour qui aime sa maman très très fort.
Bon allez bref, allez à table. Moi aussi je vais manger, j'ai mis mon riz. J'ai pas encore mis ma viande. Bon, le temps c'est un dégradé. Là je me justifie parce que j'ai l'impression que j'arrête pas de vous dire que Nolan est devant la télé. Mais le temps c'est un dégradé, il fait gris, il fait frais, mais il pleut pas, hein, tout à fait. Et franchement j'ai pas la motivation de sortir. J'allais vous montrer dehors mais en fait il y a du monde. Donc j'évite. Donc là Nolan je l'ai mis devant un dessin animé. À la base on était parti pour qu'il regarde La Belle et la Bête, parce qu'il a regardé le début de La Belle et la Bête avec Léa ce week-end, et il s'est endormi devant la fin, sur la fin. Donc j'ai voulu lui remettre. Puis finalement il est tombé sur le monde de Nemo. Donc du coup il regarde le monde de Nemo. Moi il me reste une petite panière de linge à faire, et après j'ai tout fait, tout. Et je compte bien finir mon linge ce soir. Même toutes les panières que j'ai, enfin même celles qui sont en cours. Donc ouais, bah, aujourd'hui j'ai une grosse motivation, faut le dire. Et voilà, donc en attendant quand même je vais faire du montage pendant que Nolan est calme, mais surtout je vais faire du montage parce que j'aimerais bien vous mettre le gros vlog que j'ai tourné sur ce week-end. Comme ça je serai tranquille et je serai plus ou moins à jour. Et après je ferai la suite de mon linge. Hop là, hop. Je ferai la suite de mon linge et je ferai aussi, je vous montrerai aussi la petite box, parce que bah, mine de rien... j'ai vraiment hâte de l'ouvrir, même si je sais plus ou moins ce qu'il y a dedans. J'ai vraiment hâte de l'ouvrir et savoir comment elle est faite et ce qu'ils m'ont mis à côté, parce qu'en général ils mettent des petits échantillons ou des petits trucs à côté, enfin bref. Donc voilà, vous verrez ça tout à l'heure, en attendant je vais faire un peu de montage. Bon, ça fait très très longtemps que je vous ai pas repris. Entre temps on a fait plein de petites choses. J'ai passé un gros coup d'aspirateur pour faire la fin de mon ménage. J'ai passé un gros coup de lavette sur mon sol. Bref, j'ai fait plein de choses. Le dessin animé est terminé, la télé est éteinte depuis longtemps. J'attends que Nolan ait mis ses chaussures, ses chaussettes et ses baskets, parce que j'espère qu'on va pouvoir aller faire un tour dehors quand même, parce que là le temps s'est relevé. Ça s'était bien grisé entre deux, et puis finalement là ça revient bien comme il faut. Alors on est déjà en fin d'après-midi, donc on va peut-être pas rester longtemps dehors, sachant qu'en plus il y a du vent, donc peut-être qu'il fait un peu frais quand même. Mais bon, c'est pas grave, ça nous permettra de nous aérer un peu. Du vent, ça fait de mal à personne. Puis j'ai envie de sortir un petit peu de la maison. Donc je vais voir, soit on va faire un tour en voiture. Et puis j'irai peut-être à la banque à ce moment-là, parce que il faut que j'aille à la banque. Je repoussais ça pour vendredi, mais peut-être que je peux y aller. Et encore, c'est pas dit que ce soit encore ouvert. Et sinon on ira marcher un petit peu à côté du parking. Enfin bref, à côté du... c'est pas trop une grosse sortie, mais enfin on ira faire un petit tour en marchant pas loin de la maison. Il y a le parc aussi à la maison, donc on verra. Oh, du coup en attendant j'ai l'intention de vous montrer ce que j'ai reçu dans ma petite boîte Le Petit Marseillais. C'est exactement la même encore que d'habitude. Je pensais que ça allait changer au fur et à mesure, mais en fait pas du tout. C'est à chaque fois la même que je reçois, et je pense que si toutefois j'ai un envoi de, je sais pas, de colis à faire, peut-être que je me servirai de cette petite boîte, parce que ma foi elle est très mignonne. Mais bon, je l'ai en 3 exemplaires, donc au bout d'un moment ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, donc elle se présente comme ça, comme d'habitude. Elle est comme ceci. J'ai comme l'impression que Chouchou a déjà tapé dedans pour vérifier ce qu'il y avait dedans, hein. On va voir, en tout cas moi je n'y ai pas touché, c'est clair et net. Je vais vous reculer un petit peu. Voilà, donc elle est comme ça. À l'intérieur, hop, donc vous avez toujours le petit papier de soie, hop, et dedans on y découvre ce qu'il y a dans la boîte. Donc il y a toujours un petit calepin qui nous donc présente un peu la marque et les produits, étape 1, étape 2, étape 3 de ma mission d'ambassadrice comme d'habitude. Voilà, les différents produits. Alors par exemple dans celui-ci ils mettent la gelée micellaire, le gel nettoyant micellaire et la crème hydratante désaltérante et le gel reposant au contour des yeux. Et il y a une autre partie, voilà, il y a celle-ci aussi, la gelée nettoyante, l'eau tonique sublimante, la gelée hydratante sublimante et le masque de nuit réveillez bonne mine. Bref, en gros il y a pas mal de petites choses. Je sais pas si vous voyez grand chose en fait, parce que je vous montre pas particulièrement. Donc voilà, moi j'ai sélectionné l'éclat d'abricot parce que c'est quelque chose que j'avais déjà testé, et il me semble que le fleur de rose j'ai dû le tester aussi, mais j'avais pas trop aimé l'odeur. Enfin après je dis ça, je m'avance peut-être, mais voilà, l'éclat d'abricot forcément moi ça me parle plus, sachant que il fait encore beau chez nous. Je me voyais plus avec ça qu'avec les roses. Donc rien de particulier sur ce petit calepin. Donc voilà, oh génial, alors trop mignon. Donc j'ai plein de petites enveloppes. Adieu Grismine, bonjour bonne mine. Donc ça je pense que c'est pour envoyer des petits échantillons. Donc si vous en voulez, j'ai de quoi vous envoyer tout ça, puisque j'ai plein de petites enveloppes.
Ensuite avec ça j'ai plein de petits bons de réduction immédiate, donc le petit marseillais. Donc je sais pas combien coûtent les produits le petit marseillais, mais à la limite je testerai, je regarderai combien ça coûte. Si toutefois vous en voulez, écoutez, c'est le moment de me le dire en commentaire, parce que du coup j'en ai pas mal. Et ensuite j'ai pas mal de petits échantillons de gelée hydratante. En gros c'est le petit pot de crème que j'ai ici, voilà, dans cette petite boîte. Oh, j'ai même un petit bracelet. Sourire vous rend belle. Et bien écoutez, il va aller avec celui-ci qui est quasiment, enfin qui était orange je pense à la base, mais qui ne l'est plus trop, vous voyez. Ça c'était celui de Nocibé. Maintenant je mets celui-ci. Voilà, je mets celui-ci aussi, ça me fera un bracelet de plus. Ensuite dans cette petite boîte du coup on a la petite boîte gelée hydratante et sublimante qui donc nous cache cette petite merveille. Cette petite merveille c'est une petite crème aux éclats d'abricot qui sentait très très bon déjà. C'est clair et net que j'avais adoré le parfum. Je l'ai jamais, j'ai jamais été très assidue sur ce genre de soins, mais j'ai l'intention de faire... Oh là là, sans vraiment... Enfin, j'allais vous faire sentir, mais non, je peux pas vous le faire sentir. Bref, j'ai toujours fait des soins de temps en temps, mais jamais, jamais régulièrement, on va dire ça comme ça. Et là, pour le coup, j'ai vraiment l'intention de vous dire ce que j'en pense à la fin de ce pot, tout simplement. Je sais pas combien de temps je mettrai pour finir ce pot. Mais voilà, j'ai vraiment envie de faire ça assez régulièrement. Donc autant vous dire que je pense que c'est matin et soir, ou que matin que soir. Ils mettent pas... Ils mettent pas quotidiennement sur le visage, le cou, voilà. Bref, donc voilà, ils mettent ça donc au moins une fois par jour. Donc on verra combien de temps me fait ce petit pot. Et je vous dirai de toute façon si j'ai vu des améliorations ou non. Ensuite dans ce petit, dans cette petite box, donc on a la petite gelée nettoyante qui va du coup avec la petite crème hydratante. Ça c'est pareil, je l'ai testé de temps en temps. Alors, un coup je le faisais sous la douche, un coup je le faisais hors de la douche, mais jamais très très régulièrement, parce qu'en général je l'oublie dans un coin. Et puis après voilà, ou Nolan me le vide, hein, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais Nono? Non, moi j'ai envie de te dire une chose. Donc voilà, donc ces deux produits, j'ai jamais été très très assidue, mais je compte bien l'être pour les tester réellement et vous en dire ce que j'en pense. J'en profiterai aussi pour vous dire celle que je préfère entre celle-ci et celle que j'utilise en ce moment. C'est la petite, la verte que je vous ai montré plusieurs fois dans des vlogs, que j'adore par-dessus tout, qui est aussi du chez Le Petit Marseillais et que j'avais aussi reçu gratuitement. Pour l'instant c'est clair et net qu'elle détrône n'importe quelle crème, mais que voilà, je vais tester celle-ci, je vous dirai réellement ce que j'en pense. Après l'odeur est bonne, j'aime beaucoup l'odeur de celle-ci. Attendez, je sens mieux comme ça quand même. Voilà, j'aime beaucoup l'odeur de celle-ci, mais je doute qu'elle détrône l'autre, tout simplement. Donc voilà, je vais mettre mon petit bracelet, hop, sourire vous rend belle, hop. Et après on va aller avec Nono à l'extérieur. Bon, vous l'aurez deviné, on est dehors. Nolan il me fonce dessus avec son vélo depuis tout à l'heure. Et Chouchou apparemment a dit qu'il allait rentrer, donc on risque de le voir dans pas longtemps. Il y a son pote qui est dehors aussi, notre voisin. Donc j'essaie de pas me faire. J'essaie de me faire discrète surtout. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent à la vidéo, parce que du coup ça souffle quand même pas mal. Il fait très bon par contre. Quoi? Faut que je recule. Ouais, mais tu vas m'écrabouiller. Allez, moi je me décale par là. Voilà, depuis tout à l'heure il fait ça et après il fait des dérapages. Bon, il est content, il freine et il dérape. Voilà, les joies d'avoir un petit garçon. Ouais, le roi des dérapages, ouais. Mais fais gaffe, que la dernière fois que t'as fait ça, tu t'es mangé le menton. Mon petit chat d'amour. Moi j'ai voulu prendre le vélo aussi, mais les pneus étaient à plat. Ouais, du coup moi je suis à pied, je me suis mise sur le trottoir là, en attendant. Parce que du coup Nolan il s'amuse, mais moi je pouvais pas l'accompagner à vélo. Certes j'aurais pu parce que j'ai un vélo, mais le problème c'est que il était dégonflé et je suis pas sûre qu'on ait des pompes, et je suis même pas sûre de savoir
si je peux le gonfler, donc voilà, je suis en train de... Regardez ça. Ça doit pas être sorcier, mais bon. Nolan veut absolument vous montrer, alors je vous montre. Voilà ce qu'il fait. Il fait des allées, des retours, des allées, des retours, et toujours avec le petit dérapage à la fin. Et en général, je me mets au milieu, moi, du parking, et lui, il freine. Enfin, il freine. Il me fonce dessus, et après, il freine. En général, on se met d'accord quand même sur le côté où je vais dévier pour qu'il puisse continuer tout droit. Et voilà. Hein, mon nono ? T'es content d'être dehors ? Ouais. Il fait bon quand même. T'as pas froid, hein ? Non, parce que j'avoue qu'il fait pas froid du tout. J'ai mis un petit écharpe, mais je l'ai laissé dans mon sac finalement. J'en ai même pas eu besoin. Parce qu'en fait, le vent est chaud. C'est un espèce de vent du sud. Bon, très très agréable finalement. Certes, on a le vent dans la figure, mais enfin, ou pas d'ailleurs. Hein. Mais ma foi, ça reste correct. Voilà. Chouchou m'a dit qu'il arrivait dans 10 minutes. Donc, on va sûrement l'attendre et rentrer après. Je pense que ça suffira pour notre petite sortie du jour. Et voilà. Entre deux, on a sorti notre poubelle, on a sorti Fidji, enfin bref, on a passé notre bonne journée dehors. Mine de rien, même si on a passé un peu du temps devant la télé, on a réussi à tout faire. Journée comme il faut, comme je l'aime, et voilà, je suis contente que ce soit pas une journée comme le mercredi dernier dans les magasins, parce que c'est pas quelque chose que j'aime au final. J'aime bien, quand on a de l'argent dépensé, c'est bien, mais quand on n'a pas grand chose et qu'on est limité, et que, bon, pas c'est bien, hein. Enfin bref. Je suis pas très très shopping, ou alors faut vraiment que ce soit du shopping tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi j'ai pas de juste milieu en fait. Attention Nono. Bref, on va attendre Chouchou. Allez, on attaque le devoir, enfin l'espèce de révision parce que finalement on en a fait un peu hier, un peu avant-hier. Là c'est reparti pour un tour. Chouchou est arrivé entre deux. Il va jouer à Fortnite, donc nous on va s'occuper comme ça et après j'irai faire à manger. Voilà, allez, on pose les jouets, hop, et on se met au devoir. Avec le N, ça fait quoi? N. Avec, c'est quoi ça? O. Non. Ça, non, c'est comme ça. A, alors, nous, j'ai rêvé que... J'étais le chef du monde. Très bien. Bon, je vous retrouve, il est 19h, quelque chose comme ça. Je suis en train de commencer à préparer à manger. Ce soir, je vais faire une escalope milanaise avec des pommes rissolées. Et puis Chouchou, je veux absolument... Enfin, en fait, pour tout vous dire, moi, j'ai pas très très faim. J'ai aussi très très la flemme de faire à manger. Du coup, je me dis que si je fais un petit repas léger ou disons plus ou moins rapide, ça ira pour tout le monde. Donc je fais juste une escalope milanaise parce qu'elle est énorme, donc elle pourra faire au moins deux parts. Si j'en mange pas, moi personnellement, c'est pas grave, donc c'est pas grave. Si Chouchou veut une part, il en prendra. Des pommes rissolées, ça ira pour tout le monde. Et puis Chouchou, de toute façon, m'a dit qu'il pouvait manger juste de la piémontaise et du taboulé, donc je vais voir. Ça va être un petit peu à la pioche ce soir. Bon, enfin, tout le monde mangera un petit peu ce qu'il veut, sauf Nolan qui aura du coup une vraie escalope milanaise avec des pommes rissolées. Ça fera quand même un repas rapide, un repas facile, mais un repas quand même pour Nolan. Et puis ben, nous on piochera dans ce qu'on aura envie de manger, parce que personnellement j'ai pas spécialement faim. J'ai plus soif, mais pas soif d'eau. En fait j'ai soif de cochonneries, vous savez, genre coca, menthe, grenadine, etc. Et les deux petits trucs que j'ai là sont quasi vides, donc ça fait pas un verre. Donc j'ai la flemme de me faire juste un mini verre. Enfin, en fait j'ai vraiment envie d'un gros verre de ce genre de bêtises. Donc voilà pourquoi je ne le fais pas. Du coup je vais me faire un grand verre d'eau, ça va me couper l'appétit encore plus. Et voilà, bref, du coup je vais faire à manger. Je pense que je vais vous laisser là d'ailleurs, parce que j'ai encore une petite machine à plier. Et bah, du coup de toute façon c'est l'heure de faire à manger. Et j'ai pas envie de coucher dans l'âne trop tard. On a fait les devoirs, on a révisé. Et franchement il a fait ça super bien. Donc j'aimerais bien le récompenser. Et voilà, passer du temps un petit peu avec lui. Enfin un peu plus de temps avec lui. Et j'aimerais aussi surtout le coucher assez tôt pour pas que ça le dérègle. Donc bah, du coup mes copines, je vais vous laisser là. J'espère que ce petit vlog vous a plu. J'espère que les vidéos prochaines vont vous plaire. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao.